L'épisode de la voile qui est en train de se terminer. Là j'ai réussi à la remettre en route. Enfin, la voile elle s'était cassée sur la dérive. C'était la battue de la mer sans vent dans le poteau noir. Elle a attrapé la dérive, ça fait un accro. Et juste là où les efforts de l'écoute passent, quoi, donc il y a une réparation importante. Et donc, manque de peau, j'ai pas réussi à la déhooker. Donc, normalement, elle est tenue en haut par un croc, quoi. Mais j'ai pas réussi à défaire le croc, quoi. Voilà, elle s'est restée bloquée, il y a un problème là-haut, je sais pas quoi. Donc il a fallu monter au mât pour aller brêler la tête de cette voile sur une drisse plus haute, quoi. Et couper ce qui la maintenait au houp, pour redescendre. Donc comme c'était auprès, donc c'est pas très agréable, hein, ça a été un peu le massacre. Descendre, la rentrer dans la soute et puis tâcher de la réparer, quoi. Donc j'espère que ça va tenir parce que j'ai quand même cramé pas mal de cartouches là, de matériel de spare dans ces réparations là, donc voilà. Allez, dans la soute à voile, la fin de la réparation. Voilà. J'ai collé les tissus de Kevlar en place. J'ai fait de l'autre côté déjà. Voilà, donc il y a juste la place pour s'étaler. Voilà, pose du premier patch. Voilà, avec la raquette, c'était la Jessica. Voilà, les réparations finies. Enfin, j'espère. Voilà, maintenant, je laisse sécher un peu et puis après, je vais essayer de refaire le rouleau. J'espère que ça a l'air de bien vouloir tenir. Ça fait des plis un peu bizarres là, j'aime pas trop, mais ça a pas l'air d'être très grave. Quoi, voilà. Puis après, ben, quand il fera meilleur, je remonterai pour... Ben là, il fait beau, hein, mais quand il fera
que tu seras beaucoup plus plein, quoi, et qu'on sera pas au prêt, je remonterai pour aller préparer le hook. Voilà. Donc maintenant, tu nous vois avec la toile du thon. Voilà. Et puis, ben, s'il n'y a pas action, ça, ça fait des choses bizarres, là, ça fait la maladie des mains blanches. Voilà. Ça dépend de quelle sorte de cicale on utilise, parce qu'il y a une autre maladie, c'est la maladie des mains noires, mais là, c'est la maladie des mains blanches. Je pense que ça va partir à grand-mère. À bientôt.